Pour, tu vas entrer dans mon esprit et que tu vas devoir revivre chaque souvenir douloureux de chaque bataille que j'ai menée. Ça va être moche. Alors, est-ce que t'es sûr de ne pas vouloir courir un peu au soleil avant, hein? Je suis prêt, chef. Alors, dans ce cas... Tu es en retard, soldat! Entre là-dedans et fais-moi 20 pompes! Oh, alors c'est ça, le monde mental. On dirait un cabinet de dentiste. Un cabinet de dentiste mental. C'est un bureau de recrutement, petit, et je suis là pour vous recruter pour le plus beau métier du monde. Devenir un psychonaute. Vous mènerez la guerre pour la liberté mental. Êtes-vous prêt à affronter la torture, la folie et la mort? Parce que c'est votre dernière chance de dire non. Oh, moi, monsieur, je crois que je vais dire non, monsieur. Trop tard, soldat! Mais vous disiez... Il n'y a qu'un moyen de partir. Combattre! Je veux que l'un d'entre vous m'envoie un coup de poing dans les dents. Mais je vous préviens, si vous le faites, ce sera la guerre. De quoi je voulais parler? Charge! C'est quoi ce parcours du combattant? Mais il vient de se faire tuer! Un parcours du combattant mental, cœur d'artichaut. Il n'est pas mort. Sa projection astrale a été éjectée de ma tête. Et je vais aussi virer ta projection astrale si tu ne te décides pas à te battre tout de suite, mais... Là, il me faut une étiquette de Malkabine. Là, il me faut une étiquette de Malkabine. La voilà! Maintenant, ramasse cette étiquette et va la mettre sur le sol. Sauf si tu préfères laisser tomber et me faire 20 pompes! Grimpe-moi vite à cette échelle! Montre-lui qui commande! Hip!
débile. On dirait un test. Il y a probablement une route secrète ailleurs. Eh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que t'es plus fort que moi? Le nouveau? Pardon? Quoi? Je suis pas débile. C'est toi le débile. Le coach est débile. Cette colo est débile. Ce truc qui vole vers toi est débile. Qu'est-ce qu'il vole vers moi? Le pied de Bobby Fish, débile. Crétin de nouveau. Ouais. Wow. Hey, merci de m'avoir sauvé. Ben, en fait, je voulais sauver cette plante. Je n'en avais jamais vu de si saignante. Moi si. Elles sont apparues dans ce cauchemar affreux que je fais souvent. Tu fais des cauchemars? Oh, j'ai lu comment on fait pour les chasser. Tu me laisseras en voir, hein? Non. Tu frappes comme un petit. Non. Parce que je vais t'appeler Immobile. Ce n'est pas mon nom. T'as dit quoi, Immo? J'entends rien, tu parles trop lentement. Hop!
cauchemar, nouveau. Si tu passes, Bobby et moi, on aura l'air d'idiot. Et Bobby va te cogner du... Bobby, tu m'entends? Où tu es? Ne blesse pas de fils, Bobby. Oh, attention aux mines. Elles vont exploser comme une pastèque. Oui. On dirait un escargot qui remonte une pente enneigée avec le frein à main. Personne n'a parlé de parachute. César avait un parachute quand il a franchi le Rubicon. Saute, c'est tout. Dis, elle a genre une chute dans l'histoire. Trois copines ressemblent au premier souvenir. On a tourné à gauche, puis on a tourné à droite, puis j'ai donné un dos à Azor. Ça.
super vilge. Thank you.
Hello ? Je suis en avance. Ne fais pas ça, petit ! Est-ce que tu peux m'expliquer ce que t'es venu faire ici ? J'ai cherché juste à trouver la sortie. Oh, désolé, petit. Je ne croyais pas que tu finirais si vite. Et je ne croyais même pas que tu finirais tout court. On peut dire que tu m'as étonné, tiens. Tu as mérité ça. Ton premier badge de psychonaute. Mais je suis toujours content de voir un soldat revenir du combat en vie. Bon, si ça ne te fait rien, il faut que j'y retourne. J'ai encore des soldats là-bas. Tu nous as ridiculisés, là-bas. Et là, tu es mal. Bobby Zilch est furieux. Tu devrais faire attention, Ravmoth. Dis donc, chevelu. T'as envie d'un coup de peine? Hé, les durs, on se calme. Quoi? T'as peur que je t'abîme ton copain? Non. Mais je te signale que Sasha Nine est derrière toi. Tes performances, jeune cadet, sont incroyables. J'aimerais que tu viennes à mon labo pour un entraînement avancé. Ouh! Raz le Naz va suivre le cours spécial. Benny, fais-moi penser à lui filer une raclée spéciale après, d'accord? Ces tests ne sont pas officiels, alors en principe, je ne peux pas te demander de venir. Mais si jamais tu passes, ma foi, que puis-je y faire? Tu n'as qu'à apprendre ça. Rappelle-toi, ton talent te tiendra toujours à part, Rasputin. Parfois, l'isolement est une bonne chose. Il peut mener à d'importantes découvertes. Hé ! Je sais même pas où est votre labo ! Ça fait partie du test ? Parfois, l'isolement est une bonne chose. Il peut mener à d'importantes découvertes. Maintenant, j'entends des trucs. Super. Passe pas. Mais il faut que j'aille au labo secret de Sasha. Tu aurais peut-être pu y réfléchir avant. J'y ai réfléchi avant. C'est pour ça que je suis là. Exactement. Mais tu dois payer le péage. Une pointe de flèche. Allonge. J'ai trouvé ce truc. C'est de ça que vous voulez parler? Ouais, c'est une pointe de flèche. D'où elles viennent? Franky, la nouveau ne peut pas être aussi bête, si? Le camp est construit sur un cimetière indien et... Oh mon Dieu! Les Indiens enterraient leurs morts ici? Arrgh! J'espère que non. Non, crétin. Ils enterraient ici leurs pointes de flèche. Elles sont cachées sous terre, mais elles laissent sortir un peu de gaz parfois. Comme le coach Oleander. Alors, si tu vois un truc du genre, déterre-le vite fait. Comme les truffes? Peu importe. Donne-moi l'une des tiennes. Hé, toi, là, viens ici. Tu ne peux pas faire de chasse au trésor sans liste. Reviens me voir quand tu auras assez d'objets pour ta première promotion. Allez, file! Alors, où est-ce que... Hé, où il est passé? Comment fait ce vieux pour bouger si vite?